Ratatria, Piscatelzen. D'abord, Pachotou, Chatzadik, Osekol Maasav Vigdusha. Chol Poulotav, Agashmiot, Olot Hen, Litikuno Shalolam. Vezoti, Ahavat Amelacha, Chikolkar Sagva Maalata, Mitzadatzma, Vishinitna Bibrit, כמו שתורה ניתן בברית. ומעטה, אין ספק שתיקון עולם מלא והתחרבות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה. כל תנועה שמצלת איזה חלק מן ההוויה, מן שליטת התוהו, דבר גדול וכללי יש כאן. טוב, נעמוד כאן. לא, זה פסקה סלונג. כיסי דילה. Un rapport avec les biscuits précédents. Je me souviens plus de ça. Avot. Yafa Sichat Avot, Abdé Avot, et Termé Torah de Banim. Ça veut dire, ce qu'on hérite de manière naturelle est bien plus important que l'effort au niveau des mitzvot, etc. עכשיו נדבר על הצדיק. Là, c'est קשור? אתה תראה שכן. Là, dans la définition, il nous explique qu'un צדיק, toutes ses actions sont bien sûr imprégnées de Gdusha, même ses actions matérielles, même sa manière de manger, il veut dire vraiment dans tout l'aspect matériel de sa vie. Okay. Il nous dit, à partir du moment où on comprend ça, on comprend que donc la réparation du monde, forcément, c'est-à-dire, moi, ce que je comprends, c'est ce qu'il veut dire, c'est que même l'aspect matériel du monde a pour vocation d'atteindre la Gdusha. C'est-à-dire, le Tzadik ne pourra pas avoir des actions avec Gdusha si le monde n'a pas cette capacité de recevoir cette Gdusha, d'une certaine manière. Donc, à partir du moment où on voit chez une personne, un Tzadik, qu'il a réussi justement, dans sa pratiyut, à réunir cette symbiose entre la spiritualité et la matérialité, et ça veut dire que la matérialité, de manière générale, a aussi cette capacité d'être élevée, et donc, à chaque fois maintenant qu'il va y avoir une action dans le monde qui va permettre d'améliorer la potentialité qu'il y a dans la matérialité, ça va contribuer justement à faire apparaître la Gdusha qu'il y a dans tout ce qui existe. Mais quel rapport avec la puisque c'est ça. Ça, je le sais, c'est vous qui l'avez dit ça, c'est pas moi. Des avot, mais d'ailleurs j'ai une question sur ça, parce que comment vous lisez dans la nature même, est-ce que quand on lit chasdé avot, parce que vous avez expliqué le chasdé avot, justement la nature des avot, en fait il se souvient de la nature des avot, et donc forcément cette nature est continue où? Chez les banim. Et c'est ça que continue de cette génération. Gdusha qui est dans la nature. On va voir le rapport après. D'abord, Pachou. Donc, il est clair qu'un tzadik fait toutes ses actions dans la sainteté. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut vérifier? C'est là, il donne une définition d'un tzadik. Quelqu'un qui fait des mitzvot et qui étudie la Torah n'est pas pour autant encore tzadik. Quand est-ce qu'il est véritablement tzadik? Quand même les maasé choulim, ils sont dans la Gdusha. C'est clair? Ça veut dire se jeter sur la bouffe comme un, je ne vais pas dire le mot, un goif, voilà, pour être poli. Et après mettre les tfilim, c'est pas pour autant qu'il y a un tzadik encore. C'est clair? Zamifran.
que kol ma'asav, l'Hashem Shamayim. Bechol derech adayim. Il est toujours avec Dieu. Tamid im Hashem. Quoi qu'il fasse. Donc ça, c'est quelque chose de clair. Chez le tzadik, on sait kol ma'asav yibushal. La dégâche sur le kol. Pas seulement ma'asav, mitzvot, ma'asav, limud Torah. Et donc, kol peulota bagashmiyot. Toutes ces actions matérielles, non seulement les mitzvot, l'étude de la Torah, les prières, etc. Stam, je sais pas, il confectionne une chaussure. C'est quoi, c'est les ichudim? Ben, il faisait attention que cette chaussure soit bien faite et que celui qui va la mettre n'aura pas d'entorse et qu'elle tienne la route au moins 20 ans et pas 3 mois, etc. C'est-à-dire, l'ishma ou bonnet à l'âme. Ce qui l'intéresse, c'est de réparer le monde, d'être associé à Dieu, à l'avancement du monde. De même manière que Dieu a créé le monde et continue de le créer constamment, ou d'avec Bachem. Donc il crée, il confectionne, il améliore le monde. Et de là découle ce qu'on retrouve dans Avod Rabbi Nathan, Ahuva Melacha. Avat Amelacha. Pas seulement il n'y a pas le choix, il faut bien qu'on travaille pour gagner notre pain. Il y a un amour inconditionnel et intrinsèque envers le travail. Toti Avat Amelacha. Vous avez l'exemple des chaussures. Okay. Quelqu'un qui travaille dans des chaussures, il doit, comme vous dites, il doit le faire qu'elles durent longtemps et de bonne qualité. Ou bien, de nos jours, on a un autre système. Pour que la société elle marche, elle tourne. Il faut qu'elles aient un temps de vie limité. Mais justement, c'est exactement le sujet qu'on va traiter. C'est un issue. Mais sinon, si elle ne tombe pas. On va voir. C'est exactement la différence entre Avat HaMelacha et Meirat HaMelacha. La malédiction du travail. C'est ça toute la différence. Est-ce que tu fais ça de manière désintéressée pour le travail lui-même ou que tu transformes le travail en moyen pour avoir ta panassa? Donc si c'est un moyen pour avoir ta panassa, moins elle dure, plus j'aurai de fric. Oui, mais au même titre. Vous avez toute l'économie. Plus je fais de la camelote, plus l'économie tourne. Au même titre que dans ce monde. Pour que le monde aille bien, il y a besoin d'avoir des bonnes chaussures. D'accord. Et ça participe au niveau du monde. D'accord. Pour que le monde aille bien, il y a besoin d'avoir une économie saine. D'accord. Qui a dit qu'il faut arnaquer les gens pour autant? Non, on n'a pas dit arnaquer. C'est l'arnaque si tu vends de la camelote, la raterie là pour qu'il en. Non, c'est pas de la camelote, parce qu'il y a aussi un prix à cette camelote. Ça veut dire qu'il y a aussi une mesure. Alors, c'est pas de l'arnaque. Toi, je vais te vendre quelque chose à 400 shekels, et donc comme tu mets 400 shekels dans les chaussures, elles vont durer un an, pas plus. C'est vrai, donc c'est pas de l'arnaque. Mais c'est ça qui est différents tarifs en fonction de la qualité. Quand on construit une chose, on donne un terme. Même. Oui, mais là, le problème, c'est qu'en fait, des chaussures qui durent 20 ans, c'est le problème, c'est qu'on ne peut pas les vendre. Parce qu'elles vont coûter beaucoup trop cher. Elles vont coûter beaucoup trop cher. Parce que oui, il a raison. Parce que je sais que celui qui les construit, sa société ne peut pas survivre, donc il est cuit. Parce que si, en fait, il vend, tous ses clients ne reviennent jamais. Parce qu'elles sont tellement bien les chaussures, c'est bon, il fait un boutique dans. Ceux qui parlent ici, par exemple, de. C'est un seul qui m'a calcalé à Rachavit. Oui, justement. Le barreau, je vais à Nusra Echida. Mais c'est. Amélo m'a eu une calcalade, le relâche, c'est Peter. Mais moi, je le prends à un autre niveau à nous. Des fois, moi, je vais vendre un matériel à mon client. D'accord. Bien sûr qu'on me dit, il y a mieux. Des fois, j'ai des collègues qui me disent, ouais, mais on lui a vendu ça. Mais bien sûr qu'il y a mieux pour le client. J'ai des meilleures solutions pour lui, même être plus optimisé, où il va payer moins cher, et il aura plus de services. C'est vrai, mais la boîte ne tourne pas si je vends ça. Top. C'est mal à azote, c'est comme ça. On va voir. Mal à azote, je sais pas, je suis mal à azote. Donc, c'est ça l'amour du travail. Chez Kolkar Sagva Malata, son niveau est tellement haut. Mitzadatma, tu vois, en tant que tel, et non pas en tant que moyen pour une autre finalité qui est de gagner son pain. Chez Nitina Bebrit. Elle a été donnée par Dieu en alliance, comme la Torah a été donnée. C'est marqué dans votre Rabbi Nathan. Avot Aleph Yud, c'est dans votre Rabbi Nathan. Umeata. Donc, il en découle de cela. En safek shetikun olam male, vitrahut ora kodesh nimsa behemet bekol melacha. Ça ne fait aucun doute. Il y a une très grande réparation de ce monde, un élargissement de la lumière sainte, dans l'amour du travail. C'est-à-dire ne pas voir le travail
comme une punition et une corvée qu'on doit assumer. Et c'est un idéal en tant que tel. Il y a même dans le Savodri Binatan, ben si quelqu'un n'a pas de travail, je sais pas, il n'est pas employé nulle part, ben c'est pas grave, donc il est dans les champs et qu'il arrange. Qu'il se trouve une occupation, pas ça, mais une occupation pour passer dedans. Qui vraiment fait avancer les choses. C'est-à-dire, tu es à la maison en vacances, on ne va pas s'en rien foutre. Pas réparer les chaises, pas les murs, fais quelque chose de constructif. Bon, là, ma chomère. Rachou, merde. Caracatou, merde, c'est constructif. Voilà, parce que d'être dans une maison délabrée, d'Irana, Marchiba, Zatoshala, Adam, etc. Ça influence sur le psychologique, etc. etc. Donc, mais attends, donc, sans aucun doute qu'il y a une importance catégorique qui rajoute de la sainteté dans le monde, dans tout travail. Maintenant, il explique c'est quoi un travail, regardez. Colt noa, chez Matselet, Ezerchelek, Mina, Vaya, Minchilita, Tato. Tout mouvement qui vient sauver une partie de l'existence du tohu bohu, du néant, du désordre. C'est-à-dire toute chose qui est en potentiel matériellement et qui n'est pas exprimée. C'est ça tout. Ou qui est mal foutu, que tu arranges. Un champ qui n'est pas labouré, etc. Une maison qui n'est pas peinte. Tout délabré. Mais tikkun olam. Tikkun olam comme on lit au Torah. Zat sada chitsuni shel olam, zat sada pnimi shel olam. Il faut réparer tout le monde. Aussi bien le chitsuni que le pnimi. D'accord ? Il y a une importance divine en cela. Ce n'est pas un moyen pour gagner son pain. Et on ne parle pas dans l'Eret Israël, c'est Pshita, c'est Mitzvah Tishuv Haaretz, dans toute l'Europe terrestre. Ce qui manque, c'est magnifique, juste, ce serait bien de voir, parce qu'il donne son mécan en disant qu'il y a une brite, justement, il dit qu'il y a une brite. Brite, c'est-à-dire une loi gravée dans l'existence. Voilà, mais il ramène le mécan chez Dénan. On va dire Minatam à la Fiout. Je pense que les choses peuvent être un autre plus rouge. Quand on a des ustensiles qui ne sont pas trempés, on est obligé de les tremper. C'est un autre obligé de les tremper. On ne peut pas les sortir de maison, les ustensiles qui sont fermés dans une boîte, pas le lancer. Pourquoi la raison, c'est que chez Loïc Hachène. D'accord. Peut-être qu'on le pensait, peut-être, c'est leur tikkun. Chez Metoukan. C'est Metoukan, c'est pas une question de Loïc Hachène. Que mort, chasseur, lâchir, se faire bétimouguer. De normal. J'ai une erreur, prends un stylo, corrige tout de suite. Il faut toujours mettre de l'ordre dans la vie. Quand t'es du temps perdu, t'es cousin chez Or, et maintenant reste pas sans rien foutre. Que t'aimes un travail. Mais de l'or, trouve des trucs, colle, machin. Ne reste pas une seconde sans rien faire. Faire une sieste. Hein. Batala, mais via des léchimons, mais chez mon désert, verra. Faire une sieste. Hein? Faire une sieste. Non, surtout pas. En tout cas, voilà, il y a un nègre de Coltokep. Lichon, même saillant. Lama. Même Shabbat. Lichon, même saillant. Je dirais comme ça, toujours. Lichon, même saillant. C'est une invention des Espagnols, ça, là. Erev Shabbat, c'est tôt. Erev Shabbat. Shabbat. Donc, on continue. Pour être en forme Shabbat. Donc tout mouvement qui vient sauver l'existence de l'emprise du Tohu, d'avoir Gadol Tali, est quelque chose de grandiose et général en cela. Donc, une fois qu'on a parlé de ça, bon, alors si c'est comme ça, fermons tous les chivotes et envoyons tous les bochouim et des agriculteurs et des mécaniciens auto. Donc, maintenant il rajoute quelque chose. Omnam, cependant. Anahala Mikol, le travail le plus élevé, qui vient, c'est-à-dire encore un mouvement qui vient sauver l'existence du Tohu Bohu. Ya Tsala, Aklalit, Shalacharat Achaim Apnimim, Shalmetsiut. De la même manière que tu dois t'adonner avec beaucoup de sérieux et de dévouement pour sauver l'existence matérielle du Tohu Bohu, eh ben, idem pour l'existence intérieure. Spirituel. Ça veut dire, comme tu as dit tout à l'heure, je reçois de la matière première, de l'argile, et j'en fais un vase. D'accord ? Et bien, quand ton bébé est né, c'est aussi de la matière première qu'il faut forger et modeler et le rendre un homme véritablement.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas agressifs, qu'ils ne sont pas égoïstes, qu'ils ne sont pas égocentriques, qu'ils soient idéalistes, qu'ils soient bon cœur, etc. Ce n'est qu'alors que tu as mis à l'œuvre ce potentiel qui était jusqu'à présent totalement inexprimé. Donc ce n'est pas un moindre travail que d'améliorer le monde intérieur. Non, pour que toi tu sois capable d'améliorer le monde intérieur des autres, encore faut-il que toi tu sois amélioré. C'est-à-dire que tu ne peux pas éduquer les gens à être bon cœur et altruiste si toi tu es égoïste et cruel. Et pour ce faire, la Torah, il met de sa réfète et sa briotte. Quand tu étudies la Torah, ça t'épure. Ça te fait grandir. Ça te rend idéaliste. Ça te rend bon cœur. Et une fois que tu as fait ça sur toi, tu es à même de faire ça aux autres. Donc, ne fermons pas les chivotes, eux ils s'occupent de la construction du monde intérieur du monde. Tu n'as pas dire qu'ils doivent vivre le mendicité, on parle de la niveau ségouli ou au niveau. Non, mais foil, gamme. Alors quand. Gamme est foil. Mais lundi. Mais et sa meilleure gamme. C'est-à-dire, même si ce n'est pas ségouli, quand il y a quelqu'un qui est agréable et bon cœur, etc., dans une société, la société environnante est embaumée de sa personnalité. Qu'elle en soit consciente ou pas. Quand tu es en proximité de quelqu'un noble, etc., tu es anoblé. Karazoret, qui a d'amour, chevrati betivo. Donc, quand chacun ce que toi tu soulèves là, Sgouli. Non, pourquoi je dis ça? Parce que même dans l'étude, il y a deux aspects. Il y a l'aspect du Nigré, du Talmud, qui est l'aspect de la. Qui va m'expliquer l'aspect extérieur, c'est-à-dire le comment faire les mitzvot ou comment me comporter. Et il y a l'aspect plus profond qui est Kol Limudei Emouna. On va le même dire. Amor Sheba Marzor le Moutav. Et quand tu utilises Rot Mouxé, l'émir divine qui se trouve dans la Torah te bonifie. Et tu n'es plus le même homme après Yitrot Mouxé qu'avant Yitrot Mouxé. Même si le sujet, apparemment, il n'a pas de rapport avec les vertus, etc. Mais une lumière divine, c'est le divin étant créateur, donc la lumière divine créatrice qui se trouve dans la Torah te recrée à nouveau et t'améliore. De toute manière. Évidemment, quand tu dis la Torah, le Shem Shamayim. L'Irat Shamayim. Donc c'est pour ça qu'il dit Omnam. Après tout ce qu'on a dit, l'importance du travail, etc., ne pas croire que ceux qui étudient la Torah sont des glandeurs. Ce sont aussi des travailleurs. Omna manala mikol est plus que les autres même. I atzala klalit, le sauvetage général, shalach sharat achayim pabniim, de rendre la vie intérieure apte. Shalam etziut. Leotziam, tu vois comment il définit ça, leotziam ide galmutam, les sortir de leur état premier, primordial, et. Comment je disais tout à l'heure matière première, comme ça. Ultakana, bedorkelim, shlemim. Et de les transformer en outils parfaits. A aussi, metafkidam est fait. Je dirais même plus. Quand on parle de l'amour du travail de manière intrinsèque, et non pas comme moyen pour gagner de l'argent. Et comment qu'on va faire pour amener les gens à cela? Pour l'instant, les gens sont cupides. Et sont assoiffés d'argent. Donc pour amener l'humanité, en commençant déjà par le peuple d'Israël, les gens, les travailleurs, à travailler de manière désintéressée, mais il faut leur construire leur vie intérieure de manière idéaliste et altruiste. Donc pour que puisse exister des gens qui travaillent comme il le faut et non pas pour remplir leur poche, il faut qu'il y ait des gens qui étudient la Torah, qui s'élèvent eux-mêmes, pour élever les travailleurs à travailler de manière idéale. Oui, parce qu'aujourd'hui, un citoyen lambda, on va dire, il connaît, ben, c'est-à-dire pour lui. Il travaille pour le fric. Et il pense qu'il n'y a rien de mal à ça. Attends, c'est pas péché. Il ne vole pas, il ne vole pas. C'est quelqu'un de bien. C'est pas péché. Pourquoi pas, quoi. Tout ce qui n'est pas péché n'est pas encore un idéal. C'est nul. Même s'il y a de l'idéal. Un idéal. C'est déjà pas mal que tu n'es pas un voleur et que tu ne tentes pas la manche. Mais ça tu nourris ta famille de manière noble. Et très souvent, c'est pas mal. Cette course à l'argent et cette compétition dans. C'est ce qui crée aussi des personnalités effectives, débattants, des gens qui. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est ce qu'il dit le Rambam, l'Oulé Ameshugaïm, Rambam, l'Oulé Ameshugaïm. Parce que puisqu'on n'a pas affaire pour l'instant à des gens idéalistes, donc personne ne travaillerait s'il n'y a pas une course à l'argent. Mais dans cette couche à l'argent, il faut être complètement débile, parce que le bonhomme, il a déjà assez de fric pour vivre la fin de ses jours. Il travaille quand même à charler, pour laisser après lui 1 milliard de dollars
qui va être dilapidé par son fils qui sera un idiot. Ou par son gendre. Voilà, encore pire. C'est la plupart des gens qui disent ça. La quasi-totalité des gens, ils travaillent sur la dernière seconde de leur vie. Alors qu'ils pourraient peut-être à 40 ans, 50 ans aujourd'hui en moyenne, arrêter de travailler. Il a ses trucs. Mais en vérité, ces gens-là, c'est il a déjà acheté sa maison, il n'a plus de poste comme ça, etc. Mais en général, ces gens-là, c'est pas pour l'argent, c'est pas vrai. C'est-à-dire, sans le vouloir, finalement, Dieu les draine, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'ils aiment ce qu'ils font et ils comprennent d'une certaine manière qu'ils participent à un idéal, même sans en être complètement conscients. Parce que le monde leur dit. Ça, ils vont en parler, mais c'est déjà une couche supérieure de la société. Oui, mais de manière inconsciente. C'est-à-dire, il y a très souvent, et quand on voit surtout des grandes réussites, par exemple, on se rend compte que c'est pas des gens d'affaires qui sont producteurs d'argent. Il y a même des gens, par exemple, qui entretiennent des pauvres et des colonies, des machins. Ils disent, mais si j'arrête de travailler, ils vont tous s'écrouler, je suis obligé de continuer. C'est-à-dire. Mais disons que c'est pas la grosse masse. La grosse masse des travailleurs, c'est une course à l'argent débile. Comme il définit le Rambam, mais chouette, c'est des fous. Donc, par manque d'idéalistes, on n'a pas le choix que d'avoir des fous pour faire tourner la machine économique du monde. Mais les époques sont changées. Comment pour revenir à ça? Par exemple, ce matin, Rabbi Meir, à la fin de sa vie, il a quasiment rien. Il a dit, l'espèce des enfants, il a dit, si ses enfants méritent, Hachem ne laissera pas tomber. Non. Et s'ils ne méritent pas, pourquoi leur donner? Mais là, sur leur donner. Non. Mais plus personne ne raisonne comme ça. Moi, bah, tu te soucies de tes enfants, toi? Moi, non. Mais personne ne raisonne comme ça. Qu'est-ce qui m'a dit? Je crois que c'est le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Je crois que c'est le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Il a laissé en héritage un bouquet de persil. Oh. Que chacun prenne une franche. Wow. Les Farhat Loyom Mirchamot. Ça se termine très mal, toujours, les. Et il rouchote. À quoi ça sert? Non, c'est sûr, il n'est pas estropié, ton fils. Il n'a qu'à aller travailler. Quelle légitimité y a-t-il en cela qu'un bonhomme de 80 ans ou 70 ans travaille quand même acharné pour que son fils qui a 40 ans glande et se lève à 10 heures du matin? Mais qui se lave à 5 heures du matin, qu'il aille travailler? Je pense qu'il faut faire très attention. C'est quoi cette débilité, là? Toi, tu es à travailler, hein? C'est à son tour de travailler. Gamarde. Tu sais que les filles à l'acha, tu es obligé de nourrir ton gosse à l'âge de 6 ans. Parce qu'à partir de 6 ans, il peut s'auto. Tout parent. Tout parent. Il peut se débrouiller tout seul. J'ai mes enfants qui me demandent des choses. Mais ben d'accord. Après, c'est tzedaka. D'accord. Si tu as envie. Mais tout parent prend ça comme du chesed. Mais tu n'es pas obligé. D'accord. Chesed, tu fais de bon cœur quand tu as envie. Ce n'est pas une obligation, une corvée, après tu râles, etc. J'ai pas le choix, les trucs. Et si un parent. Si tu as envie, là, malheur. Des fois, si un parent qui fait pas sa action, on dit. Il est normal. On ne devrait pas être normal. Et moi, c'est comme ça que j'ai dit. On ne dira pas il est normal, on dira qu'il est. Et nous, les gens de la Torah, on s'en fout pas mal. Et bien, nous, on s'en fout pas mal du qu'en dira-t-on. Zinkra Abdout. On s'en fout du qu'en dira-t-on. C'est pas grave, on s'en fout de la société. Qu'est-ce qu'il dit à la société? Par exemple, aujourd'hui, voilà, tu es à 60 piges, etc. Tu pourrais étudier la Torah toute la journée. Mais tu travailles pour que ton fils vive dans le confort. Non, mais qu'il a lui travaillé. Lama. Et c'est Midirian. J'arrive jamais à comprendre, moi, ces esprits tordus. Vous avez Shugaim, c'est l'onachon. C'est Tiroutine. Parce qu'il est cupide, il aime l'argent, c'est tout. C'est une course après l'argent. Ça devient le sens essentiel de sa vie. S'il passe un jour sans gagner encore un peu de tasse, moi j'ai rien fait toute la journée. C'est bien. Donc, pour arriver à ce niveau où les gens travailleront de manière désintéressée, mais il faut qu'il y ait des gens qui les éduquent à ça. Zat Salah, Aklalit, Aplimit, Elrad. Top. Donc, que faire entre-temps? C'est-à-dire, on n'en est pas là pour l'instant, dit le Rav. La plupart des gens, ils travaillent pour gagner de l'argent. Aval. Donc, il y a une solution intermédiaire, pour l'instant. Amarshava shel gdolei hadaat mitachedet gam Imanetia Amonit. Et Kalvachomer Imanetia Avat Amelacha Vavoda Mamashit. C'est ce dont il a parlé. Shigva Netia Shel Sheruach. Veruach Elohim Rofef Ale. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est qu'il y ait des très grands tzadikim. Évidemment, on parle de tzadikim qui comprennent l'importance intrinsèque du travail. Et pas qui pour eux, c'est seulement les idiots qui travaillent. Donc, si déjà, on peut les pomper pour qu'ils nous subventionnent. C'est des gens qui comprennent la sainteté intrinsèque qu'il y a dans le travail. Oui, très souvent, ils leur donnent même cette seule valeur. Ça veut dire, vous êtes voilà. Qui ont passé au monde. Donc, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de vrai tzadikim. De la date.
Alors, leur pensée peut s'unir avec le travail des gens qui, eux, ne comprennent pas l'importance du travail, qui travaillent seulement pour l'argent. Donc, il y a un phénomène de symbiose. Il y a des bras qui travaillent sans cavana, et il y a des cavanotes sans travail. Ça ne veut pas dire qu'il vit de mendicité. Lui, il vit, il se nourrit lui-même pour sa famille. Mais lui, il a des cavanotes théorodes pour élever le travail des gens banals. Pour l'instant. Donc, comment ça marche ? Ça, dans le but. Comme à l'échelle idéale dont on parle maintenant, où tu devrais travailler de manière désintéressée. Les mains, c'est la même chose. Soit pour gagner de l'argent ou de manière désintéressée, les mains font exactement la même chose. Où ça se passe la différence ? Dans le cerveau. Eh bien, ce Tamitraham, c'est le cerveau de la société. Lui, c'est la machine à penser, et eux, ce sont les bras actifs. Et il y a une complémentarité qui se fait. Pour l'instant, ce n'est pas l'idéal. Et à plus forte raison que ça marche, il dit, quand il s'agit de gens qui ne travaillent pas par avidité de l'argent, mais par amour du travail. Ils aiment bien le travail. C'est déjà moins grave que la course à l'argent. Yeshksat, Ruach Hashem, tu vois. Kalvachomer imnetiat ahavat amelacha ba'avoda mamashit. Au début du Yeshuv, il faisait même des chansons sur le travail. C'est devenu leur dieu, avec beaucoup d'entrain et d'allégresse, etc. Shikvan le tiach el shiruah, c'est déjà une noblesse d'esprit, de travailler par l'amour du travail. Veruach Elohim chofef alea, c'est bien que ce ne soit pas encore dans l'intention de l'étaquer dans l'âme, mais c'est juste par plaisir de travailler pour le travail, yeshkvat ksat ruach Elohim. Mais comment le monde va dans le bon sens, en théorie? On veut parler du dans le bon sens, avec toute l'intelligence artificielle, on ne va pas dans le bon sens, parce qu'on fait tout pour qu'on travaille moins, pour ne rien faire. L'intelligence artificielle? Non, c'est pour s'adonner à quelque chose. L'étudiant, c'est extraordinaire. Pour s'adonner à quoi? Si ça veut libérer les gens pour faire quoi? Normalement, qu'il y a des chiots, plus la Sagbatora. On est très loin, juste, on est très très loin. C'est ce qui a marqué la titre de la voix. On ne connaît pas la potentielle matérielle de ce monde et jusqu'à où elle est capable d'aller. Et justement, l'homme qui manipule ça, qui crée des outils pour aller. Tu comprends que là, ils sont en train de te dire qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, 5 ans, 10 ans, on s'est soigné tous les cancers. Ok. C'est pour moi le. Et personne ne sait de quelle avancée on est en train de parler, de quelle révolution, parce que c'est encore. Mais ça va hyper, hyper vite. On a aussi pour rôle de coloniser presque les autres planètes, toutes les choses. Ok, d'accord. Ça va très, très loin. Et on, nous-mêmes, on ne sait pas. Elle est infinie, la potentielle du potentiel. Mais des gens. Bon, ils plus pour ne rien faire. Pour ne rien faire, parce que même l'intelligence n'est pas elle qui. C'est-à-dire, elle a besoin d'ordre. Elle a besoin de direction, elle a besoin. C'est-à-dire, ce que tu ne vas pas reproduire, entre guillemets, dans l'intelligence, c'est l'idéalisme. C'est pourquoi on fait tout ça. Et qui sort, tu n'as pas besoin de travailler comme un aigle pour travailler. Tu peux appuyer sur un bouton, il te fait tout le boulot. L'essentiel, c'est que le travail soit fait. Alors, c'est pas moins de travail. Tu travailles intellectuellement. Et là, tu mets sur pied une intelligence artificielle qui fait travailler des robots. Mais c'est toi qui as la source de tout. Mais c'est pas l'utilisateur. L'utilisateur, il va l'utiliser. C'est lui qui a inventé. Savoir, si c'est l'utilisateur de l'intelligence artificielle, il fait tout ça pour remplir ses poches ou améliorer le monde. Les deux. Peu importe. Tu peux dire la même chose. À l'époque, on travaillait la terre avec une pioche, après on est devenu au combine, etc. Donc, c'est une régression. Non, c'est une progression parce qu'on peut faire 10 champs, le faire d'un seul champ. On peut faire de la meilleure nourriture et des pommes plus rouges, etc. etc. Dans le monde. Alors que c'est un domaine qui est en train de s'ouvrir, qui ouvre des portes à l'infini. Hier, je l'ai demandé encore une fois. Dis-moi la différence entre le Rav Kook et les autres rabbins concernant la Rota Tchouva. La Tchouva. Il a tout compris. Hein, il comprend mieux qu'un mec qui a étudié 10 ans avec les arabes. Mais je te promets, va faire un questionnaire à un mec qui est assis à Aramor. Dis-lui, explique-moi la différence entre la vision du Rav Kook sur la Tchouva et les autres rabbins. Il arrivera à un dixième de ce que l'intelligence artificielle explique. Bah, vous avez vu. Et vous avez vu qu'il a très bien compris la Chita du Rav. Parfaitement. Oui, mais d'où il sait ce mec. Mais c'est normal. En un instant, il a le livre entier devant lui et l'analyse est bien en comprendre. Contexte. Mais c'est de l'hébreu. Oui, l'hébreu pour toi qui a appris. Mais c'est vrai que nous, en fait, pourquoi quand on rencontre le Rav Kook, pourquoi on arrive avec déjà des lacunes? Parce qu'on a toutes les conceptions d'avant. Et donc, on lit même pas le texte d'une certaine manière. C'est un hébreu spécial du Rav Kook. Oui, mais lui, il n'est pas influencé. Donc. Ah, regarde, il y a un Américain qui m'a donné un nouveau truc. C'est pas GPT, c'est Claude. Ouais, on en a parlé. Il est 10 fois mieux dans la traduction du français. Ah, dans la traduction. Je lui ai demandé de traduire un texte de Roth.
100 fois mieux que Rudik. Ah, en français, il a... Il est proche des mots, mot par mot. C'est normal. Et il garde le sens de manière parfaite. Parce qu'il a été développé, je crois, le Claude. Et c'est un Américain, ce Claude. C'est d'ailleurs, l'interface est dans l'anglais. Vous êtes sûr que c'est un Américain? C'est peut-être un Français qui habite en Amérique, parce que l'interface est en anglais. Parce qu'en fait, tout le truc, c'est que plus il est pratiqué, l'intelligence artificielle, plus il est fort. Et forcément, l'anglais, c'est tellement utilisé que... Faut voir les trucs, ils ont fait aujourd'hui des preuves, des cours particuliers, en anglais, ça. Je vous dis le niveau, ça veut dire, t'as un prof particulier, ok, viens, on fait un cours de maths pour des enfants, on a compris, mais... Ok, quoi, on discute, il t'explique n'importe quoi, il a une patience sans limite. Oui, il s'est pas expliqué, j'ai rien compris. Il n'est pas chaud, il n'est pas froid, il n'est pas trop. Explique-le-moi différemment. Je te l'explique différemment. Il est pédagogue d'un niveau ultime, vous savez sur quoi c'est le plus utilisé aujourd'hui l'impression psychologue. Les gens, ils te disent non, c'est, il me coach, il a une pédagogie, il a une analyse meilleure que le psychologue qui vont voir avec toutes ses lacunes. Autisme, c'est que ça, ton fils. Et moins cher. Puisque les gens, surtout les gens qui sont un petit peu moyens, disons les politiciens, Ron, crois-tu qu'ils se prennent la tête à se préparer un discours, un truc comme ça? Donc finalement, c'est lui qui va tout gérer. Les gens de gauche, de droite, du milieu, du centre, c'est lui qui va toujours parler. Il peut tous nous berner. Non, ça dépend. Parce qu'on voit, par exemple, si moi je vais lui dire prépare-moi un truc, ou j'ai envie qu'il m'écrive, j'ai envie de lui donner une idée et qu'il m'écrive un texte. Eh bien, je ne retrouverai pas mon idée. Je sais pas pourquoi, j'ai besoin de le faire moi. Je sens qu'il manque ce que j'ai envie de dire. Parce que toi, le sens t'importe. Mais quand il y a un politicien, ce qui t'importe, c'est d'être élu. Et pour être élu, il faut faire le beau. Donc plus c'est beau et c'est classe, plus tu as des chances. Ce que vous avez pas, c'est que ça fait peut-être 30 ans. Qu'ils n'ont jamais fait un discours. Mais non, mais en 30 ans que c'est déjà l'État utilise déjà ces outils. Ah, ok, mais ça existait. Vous savez quand ça a été commencé à être créé? Les années 50. Les premières machines de e-learning, c'est quoi l'IA? C'est de dire, au lieu d'apprendre comme on fait aujourd'hui par des systèmes d'équations, on va essayer de recopier comment l'humain apprend. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé le cerveau, comment il est fait, comment son système de neurones, comment son système d'apprentissage. Ils ont créé, en fait, un cerveau qui a le même système d'apprentissage, de par l'expérience, il va apprendre. Et donc, ils les ont développés, mais par exemple, il y a des boîtes qu'on sait aujourd'hui que c'est des milliards, qui pèsent des milliards et des milliards. Bien sûr, ça fait 20 ans qu'ils ont les logiciels pour eux, en privé. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait au OpenAI, ChatGPT? Ils ont éclaté tout le monde. Ils l'ont sorti gratuit pour tout le monde. Et c'est ça qui a fait la révolution. Mais attention, c'était déjà utilisé. C'est-à-dire les grosses boîtes, il avait donc les États, j'en parle même pas. Israël est très fort aussi. Hein. Vous savez, Israël est très très fort là-dedans. On verra où ça va nous abonner. C'est bon, on est top. On va voir comment ça va marcher. Alors... Ushechem Tzadikim Bador. Shehor Hashem Ophia Lehem Tamid. Donc encore une fois, tu vois, c'est quoi la définition d'un tzadik? Or Hashem Ophia Lehem Tamid. Pas seulement quand ils font les mitzvot, ils étudient la Torah. Quoi qu'ils fassent, ils sont toujours Im Hashem. Le Chol Der Chadehu, si vous vous rappelez dans le Shemoneh Prakim, Eni Omer Shema Alazu Ipruta Mimala Tanevoa. Je reviens une seconde ce qu'on a dit précédemment. Ils ont mis le dagesh dans l'étude de la Torah sur le hamal et pas sur la compréhension. Alors, donc, c'est le contraire de l'aïe. Que c'est le contraire de l'aïe, parce qu'il te donne la compréhension, mais il ne te donne pas le hamal. D'accord, mais yesh hamal achet. Parce que quand tu dis hamal, par exemple, tu peux dire l'hamal, c'est d'aller chercher la Gemara, monter sur une échelle, ouvrir la page. Et non, ça c'est bidon. De comprendre. Mais tu peux dire, ça me prend la tête à traduire de l'araméen en hébreu. Ça aussi, ce n'est pas tellement important. L'essentiel, c'est d'intérioriser les pensées et d'en arriver à des déductions, des inductions et les vives et qui effectuent une révolution dans ta personnalité. C'est grand amal. C'est amal atzil. Il y a un amal premier, mais on peut l'améliorer, leur amal. Si et à l'époque, il n'y avait même pas de livre. Mais si je donc il fallait tout recopier à la main. C'est grand amal. Ce qui m'explique tout soit en deux minutes, où est mon amal? Od avant notre terrain que lui n'est pas capable de faire. Il te donne d'abord le truc, il te défriche le terrain. Maintenant, tu vas pouvoir réfléchir le Tosfot aussi. Tu vas pouvoir. Arav Mudaber al Zeborot Hatshuva, Michel Bal Marcheva Pnimit, Azulu Etze Dechova, Belimut Torah Kamutit. Il dit Kacha, Bal Torah, Yeshlo Tshuva Rak Betorah. Vim Yomar Arenitzam, Akel Avirvi Acharuga. Arucha, d'accord. Après, il continue. Michel Bal Marcheva Pnimit, ou l'heure où on était des Jehovah, mais Tosefet Kamutit.
C'est-à-dire, je dis, voilà, j'ai fait une avéra, alors aujourd'hui, au lieu de faire une passe de Gemara, j'en ferai deux. Et pas payé au poids. T'as un mic, mais c'est un peu. Comprends profondément la volonté de Dieu dans cette page. Et pas espèque. C'est infini, c'est un océan qui terminera jamais la Torah. De toute façon, tu t'enverras pas à tout lire. Mais Kula Momenze, Gam le Gabet Achanoun, au lieu de dire 50 pages en 3 minutes, lis 3 lignes, mais me mettre à Zambetchoua. Tami, Dachit Rachouf Zaflama. Combien que tu interroges véritablement et authentiquement et de Varachem. Asgam Bilimutora, Dachit Rachouf Zayoun. Et pas remplir la tête de plein de connaissances et finalement tu es un idiot. Tu sais pas réfléchir, tu sais pas trancher, tu peux pas faire un esprit analytique, tu sais pas faire d'extrapolation, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc les gens, voilà, ils font le Daf Yomi, ils sont en train de lire. Regarde, mais il vient 2 secondes, on va lire Rachid. C'est bizarre, on s'éclate Rachid, miskin. Kol od v'od tzarich lidrosh v'Rachid. Al tikra et Rachid, al techalel et Rachid. Bah, t'es payé au kilo, je pense, oui, c'est quoi cette histoire-là. Bah, tiens 2 minutes. Investis 2 minutes de compréhension profonde. Donc, si on peut t'alléger le boulot en défrichant les choses qui sont plus compliquées, au lieu d'aller chercher un dictionnaire et de traduire le monde arabien, etc., c'est déjà tout clair. Bon, qu'est-ce qu'il te reste maintenant à t'approfondir en Torah Mamash. Mais le fait qu'il y a aujourd'hui des kélim qui facilitent le premier travail de défrichage, c'est l'or chili. C'est vrai comme Vazata Uter Panou, il est dans le terrain. Kemo, que petit à petit Dieu nous libère de toutes sortes de travaux pénibles. Et tu vois, le boulot, c'est facile. Tu rentres comme un fruit ici, devant ton ordinateur. Et tu gagnes du fric. Alors que ton grand-père, le pauvre, avec sa pioche, il travaillait 18 heures, et Bekoshi, il apportait un pain à la maison. Mais historiquement, ma fille. Et maintenant, tu es plus libre, tu vois, tu as le temps de faire un cours de Torah, de temps en temps, tu lis quelque chose, etc., pendant le boulot. Mais mes enfants, ma fille, elle me disait, papa, quand on travaille, on dirait qu'il est où, tu travailles pas. Mais c'est ça. Mais elle a raison, parce qu'il y a besoin de faire. Je dis, mais pourtant, t'as à manger, quoi, là, à la maison, j'ai pas pu, tu travailles pas. Mais bah, je sais pas, t'es là, voilà, il y a un marché. Mais parce que tu es intelligent, tu mets en ordre tout ce qu'il fait, ça roule, et tu supervises de temps en temps. Quand il y a un truc qui truc, tu remets la main, c'est tout. Mais il y a une maintenance constante. Les abondants. C'est aussi, on peut voir une atama. Ça veut dire, je pense aussi, par exemple, aujourd'hui, je pense, d'un côté, il y a eu une grande évolution au niveau de l'intelligence collective. D'un autre côté, on a beaucoup plus fébrile, aussi bien corporellement que intellectuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un il veut commencer dès le départ, et je vais traduire en araméen et je vais. En fait, ça lui demande un boulot monstre jusqu'à arriver à réfléchir en fait la pensée. Et presque. Et très en route. Bidouk, et presque on n'en a même plus les capacités. Donc Dieu, dans sa manière de la Ligue et Taolam, il nous amène aussi des kélim pour mettre en avant notre particularité à notre génération, justement, et nous soulager sur le côté qui est plus difficile peut-être pour nous. Il ne faut pas voir d'un mauvais œil qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui nous aident à pénétrer la Torah, la véritable Torah. Tous les Gdolei HaDor, durant les Gdolei HaDor précédents, ils sont tous venus contre toutes les Gmarot qu'il y a maintenant. Le premier qui a fait, c'est Shtanzal. Ils sont tous descendus. Officiellement et fidèlement, tous les travailleurs. Et maintenant, tout le monde fait ça. Mais ils sont restés des dizaines d'années à lutter contre ça. Il y a toujours une maladie profonde qui s'appelle la haine du progrès. Et ce n'est pas seulement les Gdolei HaDor, c'est tout le monde. Il y a des gens qui sont comme ça conformistes, ils n'aiment pas les changements. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais il faut analyser. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Deuxième chaîne. Marche pas que ce que tu faisais. Tu faisais pas toutes sortes de iloutsim. C'était pas un idéal. Il n'y avait pas assez de papier, donc on faisait comme ça. Et le tosphot était tout petit. Pourquoi ils ont créé tout petit, comme des graffitis, de tout ça? Parce qu'ils étaient très pauvres, donc ils économisaient le papier. Donc pourquoi tu fais pas aujourd'hui des impressions plus belles et plus attrayantes, etc. Alors que il y a plein de fric, tu balances du fric pour n'importe quelle idiotie, alors tu ne peux pas te permettre un limoutoir comme il faut, avec un beau livre, etc. Donc il ne faut pas sanctifier les choses d'antan. Mais ton chiloutim. Donc aujourd'hui, même se rappeler par cœur où se trouve cette gmara. Ça peut bien faire où elle se trouve. Alors, c'est quelque chose de totalement hasardeux que cette imra se trouve dans Babam Sia Pevav. C'est pas qu'à Vina, ils ont décidé de faire comme ça la pagination. Mère pas de l'évozakato! Oui, mais avant-hier, on est parlé, vous avez parlé qu'amoureux d'Hachem. Ouais. Ça prouve un amour, si je sais exactement où ça se trouve.
plus un bouton Google, tu sais. Là, le seul problème, c'est le Shabbat. Et le Rabbi Yair Ismar, des fois, il dit, tu sais qu'en verset, Amaretz. Oui, le Rabbi Yair Ismar. Amaretz et Mat à Shabbat en lave. Donc, Amaretz, il ment pas à Shabbat. Il a la trouille du Shabbat. Alors, Rabbi Yair, il dit, Yesh Rabbanim, chez Emat à Shabbat à l'Ehem. C'est toute la semaine qu'on leur pose des questions, on tout de suite dans Google, ils trouvent les réponses. Shabbat, tu veux porter dans Google. Pourvu qu'on passe pas la question pendant Shabbat. Ah, combien comme le Ravadi Yosef Yair? Il y en a eu un, je ne sais pas s'il y en a un deuxième. Mais... Ah, il y en a, il y en a. Mais c'est sûr que. C'est-à-dire, nous, si demain on doit se dire, on doit, à l'intérieur, s'efforcer de faire un effort monstre pour essayer de retenir, on peut en parallèle dire, tiens, j'essaye en même temps de venir. Mais de concentrer tout son effort là-dessus, des fois, c'est au détriment de mais la compréhension. Ça prend beaucoup de deux jours. Quand on dit l'amour d'Hachem. Donc tu veux tout connaître de lui. Tu veux tout connaître, je pense que celui qui, en fait, qui a ce sentiment d'amour d'Hachem, finalement, l'étudiant, il va tout retenir. Ça, c'est-à-dire il va pas, il va même pas besoin d'avoir forcé sur lui. C'est tellement important pour lui qu'il retient. Chez Ataouev et Atora, dis-moi, chez Ataouev et Atora, Aïmrot et Chazal, Chakoukot, les Chabalev, Obazikaron. Mais Matbea, Shalem, tu le répètes dans les mêmes termes. Donc, tu te rappelles où c'est marqué, mais peu importe. Tu répètes exactement dans les mêmes termes. C'est la fois où tu l'as appris avec ces mots, et c'est ancré dans ta mémoire. Donc, on continue. Donc, Chieshnet Sadikim Bador, Shor Hashem Ofiar Alem Tamid. Donc, c'est ça la définition, que la lumière divine est sur eux tout le temps. Ils unissent totalement leur âme, qui elle est très haute, avec l'anshama du collectif, le Hamon, c'est ça le klal, c'est pas le klal d'Israël. Et le klal, il est assez bas. Le klal kulo, vagout lev apelimi shel amoné bene adam osa melacha, mitached et imagout levavam. C'est-à-dire les pensées assez banales des travailleurs s'unissent avec les pensées de ces grands tzadikim, donc ça vient combler ce manque. Maintenant, il faut aborder un nouveau sujet. A priori, le travail a été donné à l'homme après qu'il lui fautait. Donc c'est une malédiction. Vraiment, oui. Alors que là, il a parlé que c'est une bénédiction, c'est de la kdusha. Donc il va expliquer. Ou tsakletar et tsetse. Tsad ameera shesh bamelacha. L'aspect maudit qu'il y a dans le travail. Shiba mitzat kinat ish mere'eu. Du fait qu'elle découle de la jalousie des hommes des uns envers les autres, c'est-à-dire la concurrence. C'est-à-dire, à partir du moment où Dieu a décidé d'arrêter de nous donner la parnassa. Et donc, on doit se trouver tout seul dans notre parnassa. Les autres animaux, c'est Dieu qui ose en faire la sotam. Nous, non. Si on ne travaille pas, on n'a pas de quoi manger. Donc, Wifkirotan. Donc, j'ai toujours la trouille que tu me piques mon pain. D'accord ? Donc, ça fait. La concurrence. Et la concurrence emmène de la haine. Il décrit la situation avant et après la faute d'Adam Rachel. La première qu'il vient de nous dire, c'est avant d'Adam. Et c'est à ça qu'il faut retourner. Il dit que c'est la situation. L'Ovda ou le Shomra, ça va tuer le Shem Shamaim. L'Ovda ou le Shomra, le Shem Shamaim. Mais Parnassa, mais Tachem. Mais c'est Parnassa. Qu'est-ce qu'il y a plus adéquat à un homme comme Parnassa? Marche à vote. Et sa date. Tu n'as pas voulu être sa date. Alors va brouter de l'herbe. Après, même l'air ne te suffit pas, on va égorger des bêtes. Tu es obligé de voler de la vie, ça et là. Au lieu de recevoir la vie directement de Etzachayim, le Dieu, ben, va piquer de la vie des herbes, des animaux, etc. Donc c'est en cela qu'il y a une malédiction dans la Menacha, c'est le fait qu'il y ait là une liaison très étroite avec la Parnassa. Et donc ça implique, ça entraîne la jalousie, la concurrence, etc. Shiba mitzat kinat ishmereu ou mitzat sinat abriot. Et ça amène à une haine. Et il n'a qu'à tarbem mimelchem et achaim. Et donc, c'est la guerre de la vie, la jungle. Et tsurata arua, de manière maudite, barolam et yaou, dans ce monde qui a chuté. Ariyo lechet ou mitpakahat. Donc, petit à petit, il faut maintenant ouvrir les yeux et sortir de cet abîme. Ça veut dire de cette relation étroite entre le travail. Et la parnassa. Et c'est ainsi qu'on la ramènera à être brouha. Yotset imiklal arour ou bal eklal barour. C'est-à-dire, tant que pour toi, dans ta conception des choses,
le travail n'est qu'un moyen pour gagner de l'argent, tu es dans le monde de la malédiction. Quand tu commences à travailler de manière désintéressée, tu te trouves dans la bracha, dans la kedusha. Alors, 8 heures de travail, 8 heures de kedusha. Amelacha. Igvalo meira. La diffusion de la bracha, c'est le ribouille. Hein? La diffusion de la bracha, c'est le ribouille. Non. Berkatash bracha, c'est la chambre brecha. Ou baruchata. Quand tu dis baruchata, tu ne viens pas bénir Dieu. Ata mekor kol brachot. C'est la source alimentrice. L'ifamim. Donc, plus on comprend cela, plus petit à petit, on peut s'adonner au travail de manière désintéressée. Alors le travail lui-même, il a une influence bénéfique sur nous, comme la Torah. De la même manière que la Torah, elle répare le monde intérieur du monde, l'aspect intérieur du monde, le travail répare l'aspect extérieur du monde, les deux ensemble œuvrent dans le même sens, le tikkun olam. Et il faut comprendre que c'est pas inaccessible. C'est pas sur la Lune. C'est faisable aujourd'hui. Parce que quand tu vas au boulot, et que tu travailles de 8h à 4h, que tu penses de cette manière ou de cette manière, ça ne va pas te rajouter des heures de travail. Donc tant qu'à faire, prends perdre 8h à ne rien foutre. Tu peux passer 8h à faire de la gloucha, si tu penses de cette manière. Ben, je demande. Ça ne demande pas plus d'efforts. Tu ne vas pas moins investir. Au contraire, tu as de fortes chances de plus investir parce que tu fais ça au nom de Dieu. Donc tu t'adonnes de manière beaucoup plus sérieuse. Avec beaucoup plus de sérieux, etc., etc. Et en plus, sans aucun doute, que si tu es un employé, tu ne vas pas essayer d'arnaquer ton employeur. Ils allaient chez Pchamay. Bon, ils ne voient pas, là, je vais glander, il doit faire cartiche, après je vais aux toilettes, après je vais me balader, je vais m'acheter un sandwich, etc. Toute l'école, ça, c'est l'effet secondaire de Gezel. Mais la guide que, attends, tu n'es pas un employé. Tu es 8 heures au boulot de toute manière. On fait ça comme il faut. Donc fais de ton mieux pour que le produit sorte au mieux. Fais de ton mieux pour que ta pensée soit la plus pure, que tu contribues à l'avancement de l'homme. Tu as fait 8 heures de Gloucha. C'est comme si tu as passé 8 heures en bête midrash. Maman, je verrai. Moi, je vois ta foi. Mais alors, pas besoin d'un tzadik qui sort de l'âme. C'est nous, aujourd'hui, de moins que rien, on est capable de se lever à cette pensée. Mais je vais mettre, en théorie, c'est magnifique. Ouais. En concret, je vous parle dans le monde du business, comme je vous dis, c'est très difficile parce que, en fait, si je ne mets pas comme objectif de la société l'argent, la réussite financière, tu ne seras pas motivé. C'est pas seulement. Non, on oublie le tsad de la motivation. Nagui, je suis motivé et je comprends qu'il y a une valeur dans le travail. Le problème, c'est que je ne suis pas bon. C'est-à-dire, comme je vous dis, j'ai des clients. Moi, quand je leur vends une solution, je le sais déjà que ce n'est pas la meilleure solution pour eux, j'ai mieux. Pas rentable. Et c'est un gros problème. Le premier produit, c'est un gros problème. Après, je sors avec le upgrade. C'est pas possible. Du deuxième produit. Enfin, c'est pas possible. C'est comme ça qu'ils font dans les téléphones, oui, dans les trucs. Mais Tarkless, peut-être qu'il y en a qui arrivent à. Mais c'est Bémet, c'est très difficile. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on s'habitue à, entre guillemets, à donner le strict minimum de service ou de produit à un client pour une rentabilité maximum. C'est-à-dire, j'ai un client en face de moi, par exemple, qui n'est pas averti. Je vous donne un exemple sur la qualité des produits. Mmh. Mon intérêt est contre le sien. Mon intérêt, c'est celui qui me coûte le moins cher et que je vais vendre le plus cher. Bon. Le sien. Mais c'est dur de sortir de ça. Parce que je vous dis, si quand on sort de ça, je ne suis plus compétitif, je ne tiens pas dans mon... la boîte, je ne la tiens pas. Ou je ne sais pas le faire, en tout cas. Ça, tout ce que tu es en train de dire est tout à fait logique. Non, il faut faire une expérimentation. Mais dis-toi que nous allons prendre la tête. Oula, hello. D'abord, on en a déjà fait pour d'autres. Non, mais dans d'autres. Dans, on la en a déjà fait. La psychiatrie, c'est rentable. L'eau. Non. Il remarque pas de SF Merde. Je fais même peut-être. J'ai dit peut-être. Ah non, mais moi je dis non, moi je dis peut-être, pourquoi pas. Mais alors, ça me va, je suis ok avec ça. Non, elle recèche Steve Doc. Oui, mais c'est une donnée qui est dure à mesurer. Mais même avec ça. Steve Doc, c'est une bonne chose. Non, mais tu comme quand des gens ils me disent voilà, moi je vais au collège avec ça, je vais avoir la bracha pour mon reste dans le travail. Non, quand je vais au collège, c'est pas grave, j'ai perdu 3 heures de travail et 3 heures d'argent. Ça me va. Je suis ok avec ça. C'est baron, c'est l'obligation de dire, mais ta chère. Non, mais même je. Avec l'école d'avoir Tov et Loki,
C'est vrai, mais c'est juridique. Mais c'est comme je vous dis, c'est dur à mesurer. Là, dans le cas concret que je donnerai, je vous donne un exemple. Une fois, on avait même voulu, pour d'autres raisons, vendre justement un produit moins cher, de meilleure qualité, avec un objectif de faire plus de contrats que l'autre. Une stratégie. Moi, j'étais un peu contre, mais ouais, on l'attente. Catastrophe. Même nombre de contrats, avec beaucoup moins de marge. Les chiffres sont pas bons. Ça coule. Après, c'est peut-être spécifique à mon activité. Quand j'étais dans Amim Agolan, je faisais plein de Adpasot. Tous les jours, j'étais au Betatfous. Et j'étais dans un Betatfous qui faisait moins cher que tout le monde. Et une qualité extraordinaire. J'ai dit, Khatasorel. Mori Ekete Tishma Yosef. Une comme la Shkia, Pepirsou. Une Bashkia Beyhout. Les amis de en sauf le compte. On ne le sait pas la Shkia, mais quoi. L'homme Ashkia, Agoura Khat Pepirsou, Mori. Il peut l'oser. Mais c'est Gioni. C'est l'homme ici. Mais dans son projet. Mais il faut qu'il soit conscient que la fruit soit différente. Exactement, c'est mesurable. Bon, ça, tu fais ton marketing. Mais c'est comparé à la carte. À l'Istam Zorek, le rose qui dit Tabet Alze. À Téhéron, il dit Nisayon. C'est Nisayon, je veux dire. Oulaï. Tu me raconteras ce que ça donne. Non, je veux un exemple. C'est comme un client, quand il vient chez moi, ou un client qui va chez un de mes concurrents, tout le monde va penser c'est le prix, c'est l'offre qu'il a eue, c'est le service. Le prix, des fois, peut un peu jouer. Tout le reste, pas du tout. C'est sur quel vendeur il est tombé. Non. Donc, le vendeur qui compte. Un bon séducteur. D'abord, il se vend lui, après, il donne toute la camelote. Il y a à peu de choses près, il y a que le vendeur J'ai des gens qui sont partis chez quelqu'un d'autre. Ah ouais, super. Ils se sont fait massacrer, ils s'en rendent pas compte. Et vice-versa, quand ils viennent chez nous, des fois. Hein, c'est le vendeur qui compte. Et ça, ils ont pris tous les commerciaux, ils ont pris ça. Tu dois draguer le d'accord, être aimable, etc. Et après, tu es ami avec lui, donc, automatiquement, il achète. Il y avait une pisca du Rav, je crois qu'on l'avait vu avec vous, Rav aussi, différent. Il expliquait très bien les trois catégories de travail, entre le tertiaire, l'industriel et le... C'est quoi les trois trucs? Tertiaire, il y a trois catégories de travail dans le monde du travail. Qui va que la route. Et le dernier, c'est justement le commerce. Le banquier. Ouais. Mitzvah Tishuva Aretz. C'est Khatam Sofer. Je sais pas, là-bas, non, mais là-bas, le raconte qu'il est. Hamiza Beredia, c'est Khaklaout. Efchar, Tassia, Vemisra. Veyesh Gam, Shulchani. Shulchani, c'est le banquier. Ils vendent de l'air. Mais il explique que c'est plus on s'éloigne du truc, moins c'est Mitzvah. Plus c'est compliqué. Top, c'est bon. Oui, c'est beaucoup, ça. Donc, on fait quelques lignes. חלמתי שנגמור, אבל אני רואה שלא. אוי, שכמור. לפעמים, יש כבר בצדיקים לתאור קדושה בעצמות המלאכה, עד שיהיה בה כוח מעין של תורה. אנחנו נביא לה דו שלבים. שלב פרומייה, ידי ברעה, תחוויור, סון בוקוד סרוול, מונקוי ימד לסרוול על הפלס. דוזם שלב, יסון תלמון גרנד של צדיקים, כי פב אינג'קטי דולה קדושה דן תחווי, de manière que le travail les amène à une élévation spirituelle, tout comme s'ils étudiaient la Torah. Même quand ils travaillent, tout à l'heure il a différencié justement entre l'aspect extérieur du monde et l'aspect intérieur. Il est tzadikim, des fois, même quand ils s'occupent de l'aspect extérieur, ils sont en train de s'occuper de l'aspect intérieur, d'une certaine manière. Non, c'est pas qu'eux, ils travaillent. Ah, c'est pas que... Non, mazrikim, marshava, bemelechet ha'ovdim. Et alors, c'est Ovdim, quand il laboure la terre, un mitkachim qui loyait l'Ovdim Torah. Regardez, les famim. Yesh kwar bet tzadikim, il y a une telle force dans les grands tzadikim, l'iten or vekdusha, be'atzmut et malacha. Dans l'essence même du travail, achieba, à tel point qu'il y a dans le travail lui-même, kwar me'en tel Torah. Une force ressemblante à la Torah, la vie de chayolamaba ou le taken et abgamim. Et réparer tous les défauts de personnalité, le taken et amidot. Ou la shivit chuva gmora et oskea. Il rapporte la source, Gadol, Anéné, Megia, capable de terminer Rechamay. Donc, comment il explique ça, le Rav Kook?
Néné n'est amiga capable, celui qui prend plaisir au travail de ses mains. Pas pour gagner d'argent. Le travail des mains qui est constructif, c'est comme toi. Attends, la même Torah que la Torah, elle améliore l'aspect intérieur de la vie, et bien le travail aussi peut faire la même chose. Et c'est mieux que quelqu'un qui irait chamaï. C'est quoi irait chamaï? C'est pas, mais nous allons devoir Michel Mikhaïm Mitzvot. C'est sa relation avec Dieu. Mais il est passif, il fait rien. Celui qui est actif, ben, il construit le monde plus que celui qui a une relation a priori d'être créé en Dieu. Donc, il est actif dans le travail, mais il construit le monde de la même manière que la Torah construit le monde. D'ailleurs, il est douche à dessous maintenant. Mais vous dites Gadol Anenem Yagel Kapal, c'est. Celui qui travaille. Celui qui travaille. Parce que là, mais on... un travail qui est enrichi par ces tzadikim qui ont fait en sorte que dans le travail lui-même, il y a des doses de gloucha. Pourtant, cette phrase-là, ce mécor-là, Davka, on sait souvent, et Davka, c'est. Parce que là, c'est comme si le rab, il disait que c'est vrai seulement maintenant que tu as compris ce que je viens de t'expliquer. Sinon, non. C'est un peu ça. Parce que juste avant, il a dit ça, il y a deux manières d'approcher le travail. Soit de comprendre que ça participe au Tikkun Olam, mais ça a une valeur en soi voulue par Dieu avec une bride que Dieu a fait avec le monde de la matière. Soit, après la faute, au niveau de dans son aspect que là, dans sa compétition pour avoir de l'argent et ceci et cela, et nana et nana. Il dit c'est vrai seulement dans le premier aspect, pas dans le deuxième. Ou bien que les tzadikim, agissent. Et dans ces cas-là, c'est vrai pour tout le monde. C'est ce qu'il veut dire. Parce que là, moi, à Nénémi, on aurait dit c'est mieux de ne pas être un mendiant. Ça, c'est Pshita. Il ne parle pas en tant que moyen. Ça, c'est Pshita. Dans le contexte, on voit bien qu'il ne parle pas de ça. Oui, bien sûr. Il parle de la valeur intrinsèque du travail. Quand il y a des tzadikis dans la génération qui comprennent cette valeur intrinsèque du travail et qui ont une kavana de leur tfilah, dans les moutoras, de les romains mettent à vota. Parce que ça a l'air ponctuel, puisque les familles miechent. Ok. C'est il faut les choisir. C'est autobiographique, une petite sorte. Ok, again. Bon. Je crois qu'on arrête là. Après, il va parler des Madaïm et des Safot. Marc Tova. Marc Tova.